faut-il réduire l'assurance chômage ? Écoutez ça, et après regarder ma recherche sur ce sondage, vous allez être surpris. Que pensent les Français de cette mesure à venir ? On voulait vous montrer ce sondage assez intéressant. 54% d'entre nous veulent réduire les indemnités chômage. Et parmi ces Français favorables, vous allez voir le détail. C'est intéressant également, peut-être Thomas Bonnet avec un premier commentaire. 25% préfèrent réduire la durée d'indemnité. 24% veulent s'attaquer, pourquoi pas, à la durée et au montant. Les deux en même temps, alors que 54% favorables, eux préfèrent s'intéresser au montant des allocations. Un peu plus d'un Français sur deux, donc Thomas, estime que les Français sans emploi sont trop accompagnés. Ils disent un Français sur deux favorable, mais nous ne sommes même pas sollicités. Comment c'est possible? Il est temps de se pencher sur ces sondages CNews. J'espère que tout cela est vrai, ça vaudrait mieux pour vous. Qui a réalisé ce sondage? Source: sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et JDD. Cherchons ce sondage sur le net. Voilà le site Institut CSA. Bon, je vais taper dans la barre de recherche sondage pour voir. Bizarre, le dernier sondage mis à jour sur leur site date du 7 novembre 2023. Je vais essayer avec le mot-clé « chômage ». Alors ? Pareil, il n'y a rien sur ce soi-disant sondage CSA sur le chômage. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! En regardant sur Google, je suis tombé sur ça. Je m'interroge à propos d'un sondage CSA. Pourtant, je ne trouve rien à ce sujet sur ce site. Pourquoi ? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu en 2022 l'ARCOM, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ne réalise pas de sondage ni d'enquête d'opinion. C'est la mission de l'Institut de sondage CSA, homonyme du Conseil. Pour obtenir un renseignement sur un sondage CSA, nous vous invitons à consulter le site internet. J'ai donc cliqué sur le lien proposé et j'ai été directement renvoyé vers le site du départ, celui où j'ai fait mes recherches. Conclusion. De 1, nous ne participons jamais à ces soi-disant sondages, et de 2, ils sont introuvables sur le net. Je vous demanderai donc de partager au maximum cette information, car c'est très grave à ce niveau-là.